déjà expliqué. Chez vous, c'est un travail que j'ai pris pour vous arranger, toi et la compagnie avec qui vous avez fait affaire pour votre installation. Je trouve pas comment vous expliquer autrement que pour moi, travailler chez vous, c'est vraiment pas payant. Car je dois déplacer des clients à moi environ 5x plus payants pour pouvoir vous servir. J'ai accepté la job pour mettre fin à un conflit entre toi et la compagnie qui t'a installé votre système. Malheureusement, le propriétaire de l'entreprise qui est supposé me payer les jobs faits m'a fait par vendredi que mes tarifs étaient trop élevés. Et pourtant, tous les entrepreneurs qui ont travaillé avec moi ne se sont jamais plaints de quoi que ce soit. Les seules plaintes que j'ai reçues, c'est que c'est long avant que j'envoie mes factures. Au contraire, à l'habitude, les clients sont extrêmement satisfaits de mes prix et mes services. Car je fais même le suivi avec le client. Bref, c'est rien contre vous. Je suis quelqu'un d'assidu, responsable et surtout très sérieux. Quand je dis quelque chose, je le fais. Mais j'ai le mauvais caractère qui vient avec. Je me considère un des meilleurs techniciens sur la rive nord. Et mes prix sont non discutables. Je pense que M. Dubé, propriétaire de l'entreprise, ne m'a pris au sérieux et j'en suis insulté. Alors j'ai quitté les lieux chez vous sans faire le travail. J'ai pourtant été clair avec monsieur, tu reçois bill et tu payes ta TTS. Je fais partie de ceux qui ne courent pas après ses sous. Et comme vous avez vu, quand j'arrive sur un job, c'est pas pour rigoler. Alors vous m'envoyez tellement désolé. Vous devrez contacter Gilbert et qu'il vous envoie un autre équipe. Je ne veux pas associer avec des gains pas sérieux. Excuse-moi encore. Je peux vous envoyer un numéro de téléphone si vous avez besoin. C'est un de mes amis qui est ferblantier. Il se nomme Mike. C'est juste que ça va coûter le triple de ce que moi je vous aurais chargé parce que, encore là, j'ai fait prix pour vous dépanner et dépanner la compagnie qui a fait travail chez vous. Merci, monsieur Mathieu. Bonne journée.